Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer quelques petits rituels en plus des guidances parce que j'avais sur YouTube deux chaînes, une pour les rituels, une pour les guidances. Là, je vais tout mettre sur la même chaîne, donc Shiva Chandra. Merci beaucoup de me suivre sur TikTok. J'espère que ces rituels vont vous aider. Aujourd'hui, donc j'ai fait un petit réel où j'allais expliquer que j'allais faire des rituels et ce sera les rituels concernant comment recevoir de l'argent ou favoriser l'abondance. On va utiliser le laurier. Je pense pour beaucoup d'entre vous savez que le laurier a des propriétés, on va dire, pour attirer l'argent, l'abondance dans votre vie et ne pas en manquer. Alors, je vais vous donner quelques trucs. On va ouvrir la boîte. Donc, achetez ce laurier. Ça dépend dans quel pays vous êtes. En France, sous quelle forme il est, pour avoir donc des feuilles, on va les sortir, je vais en sortir quelques-unes, en essayant d'avoir des feuilles assez jolies et entières. Et je vais vous proposer plusieurs rituels. Alors, pour certains, on va prendre une feuille en entier, vous pouvez marquer ici, dessus, avec un stylo feutre plutôt, abondance ou argent. C'est le premier rituel que je vous propose. Donc, vous le marquez, moi j'ai un stylo mais qui ne va pas marcher, je pense dessus. Argent. Argent, non, ça va casser la feuille. Et vous le mettez, si vous avez des baskets, des chaussures à talons, peu importe, dans votre chaussure, sous votre pied, et vous pouvez recouvrir de sel. Hein. Le sel attire l'abondance, attire l'argent, attire la richesse. Et aussi un peu de cannelle, de poudre de cannelle. Vous mettez sous la semelle. Si vous avez une semelle, c'est beaucoup mieux. Sinon, ça va se casser, ça va faire plein de petits morceaux partout. Ça, c'est une première astuce. Dans votre chaussure, avec un peu de sel et un peu de cannelle, pour attirer l'abondance. Le deuxième rituel. Alors, il faut utiliser trois feuilles pour les femmes et quatre feuilles pour les hommes. Je vais essayer d'en trouver des jolies. Bon, essayez de prendre des feuilles quand même qui ne sont pas cassées. Hein. Alors, une, deux, là il y en a une troisième, elle est un peu pliée. Donc, trois feuilles que vous, bon, c'est cassé, que vous mettez sous votre oreiller. On dit plutôt sous l'oreiller. Par exemple, là, les trois, voilà. Trois femmes pour les femmes, quatre pour les hommes. Vous mettez sous l'oreiller pendant 7 jours et va venir l'abondance. 7 jours et viendra l'abondance. 4 feuilles pour les hommes, 3 pour les femmes. Et ensuite, vous les brûlez. Vous pouvez les mettre dans un bol. Moi, j'utilise des fois mon bol tibétain, mais bon, c'est pas une très bonne idée. Mais ça fait rien, le son est toujours le même. Magnifique. Donc voilà la deuxième astuce, deuxième rituel que l'on peut faire avec les feuilles de laurier. Il y en a une autre, simplement, c'est simple, la même chose que l'histoire des souliers. Vous utilisez un bol, bon, on va justement faire la même chose. Et puis, vous pouvez garder quelques temps. Vous mettez des feuilles de laurier, même des restes de feuilles de laurier. Elles ne sont pas forcément importantes si elles ne sont pas entières. Que vous recouvrez de sel. J'ai tout à l'heure fait un réel avec la préparation de différents objets avec moi. Alors là, vous pouvez prendre du sel marin. Moi, j'utilise beaucoup le sel marin parce qu'ils ont plus de propriétés que le sel fin. Que vous recouvrez. Et ici, pour le bol, il y a une chose qui est différente, c'est qu'on utilise les clous de girofle. Les clous de girofle sont pour la protection, c'est d'être protégé en cas de problème financier, etc., etc. Donc là, vous rajoutez les clous de girofle sur le bol que vous avez préparé. Moi, je vais le laisser ici quelque temps. Voilà, si je n'utilise pas mon bol tibétain, tout simplement. Voilà trois petits rituels pour attirer l'abondance avec les feuilles de laurier. J'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez mettre un petit message et je vais faire d'autres rituels. On m'a demandé
pour l'amour. Si vous avez des questions d'un rituel particulier que vous voulez, ou l'argent, l'amour, peu importe le domaine, n'hésitez pas à m'écrire et merci de me retrouver sur TikTok. À bientôt!